Salut, c'est Jocus et on se retrouve dans SOS Fantôme à la bibliothèque municipale. On dirait le nom d'un album de Martine, mais bon. Les voilà. Ok. Un duo d'animateurs de classe 2. J'en avais jamais vu entendre. On va aller par là. Ils sont très violents. Allumage des packs. Yeah. Ok. Allons-y doucement. Hé hey, il a dit doucement. Faites gaffe. Raté. Bon sang. Désolé, Zed. Et si vous préveniez la prochaine fois, les gars? C'est une bête, Ray. Pourchassons-la. Winston va vérifier la porte suivante. Des fois qu'il est des amis. Quitter une chambre hantée? Pas de problème. Hé, hey, petit. Oui. Pour utiliser le diffuseur à particules, il vaut mieux être proche. Il est très puissant, mais se dissipe rapidement à distance. Et fais attention, c'est un prototype. On te fait confiance. L'effluve stase ralentit temporairement les entités paranormales. Si tu maintiens l'effluve assez longtemps sur la cible, tu peux la stopper complètement. Voilà comment on s'en sert. Ok. Alors, diffuseur à particules, d'accord. Effluve stase. Un rayon givrant. Un effluve stase. Ça n'envoie pas de froid, mais l'effet est similaire. Quand trouves-tu le temps de travailler sur tout ça? Ok. Je me suis soumis à une expérience et j'arrive maintenant à ne dormir que 14 minutes par jour. Ce qui laisse beaucoup de temps pour travailler. Super. Ça vivement. Hé, l'ami, tu penses pouvoir t'en charger seul? On se retrouve derrière. Ok, ok. Intéressant. Où est-ce qu'il est parti le fumier? Il n'est pas par ici. Super chaud. Alors. On peut passer par là? Bien sûr que non. T'en passé où les autres? Comment vous êtes sorti d'ici? Il n'y a pas de porte. Ok. On peut sortir par là peut-être. Ah. Reste sur tes gardes. Psychotensiomètre activé. Les animateurs peuvent se cacher partout. Hey, un affreux vient de disparaître au coin. Effectivement, il vient de disparaître littéralement. Il est plus du tout sur mon radar. Oh. Écoutez, on est ici, à droite. De ah oui. Deux émanations, mais pas de source directe. Nous l'avons suivi jusqu'ici et il a disparu. Je détecte une puissante anomalie par ici. Moi aussi. Oh oh, quelque chose de gros est en approche. Voilà un bon exemple d'attracteur bidimensionnel de niveau 6. Vigan, je t'ai dit que c'était une bonne idée de venir sur le balcon.
Ok. Je vais le bosonner. Ralentis-le. Ah, faut que je le ralentisse. Surchauffe. Scanne ça. Ah oui, c'est vrai. Essaie de le ralentir. Il est instable. Ouais, bon, hop, le blabla. Ouch. Fais-lui sa fête. Derrière toi. Je fais ce que je peux. Refroidi. C'est bon. On va passer par là. Presque. Il s'épuise, il s'épuise. Sa puissance provient d'un seul objet de focalisation. Regardez, le point de focalisation est... Tu as réussi, fantastique! Bon sang. Combien d'énergie psychique est nécessaire pour collecter et animer une entité pareille? Le point central, c'était une lampe. Alors un paquet d'énergie colérique. Facile, hein? Attendez, pas si vite. Je capte des flux importants. Ah, je crois que j'ai largué un piège. Je pense que c'est elle. Oui, c'est elle. Eleanor Tweety, la bibliothécaire. Regardez, la voilà. On se retrouve à la porte des escaliers. Elle est descendue par là. Winston, va voir à l'étage si l'autre fantôme est revenu. Compris. Laisse-moi la scanner. Encore mouché, quelle sorcière! Je voulais la scanner. Merde. Psychotensiomètre sorti et ne faites pas de bruit. Ok. Waouh, une lévitation parfaite! On approche de quelque chose. J'aime pas les trucs qui lévitent! Tu as quelque chose? J'ai quelque chose juste ici. Gamin, regarde ça. C'est bon, je l'ai eu. Demi-ancré de classe 4. Parfait. C'est tout ce que je voulais. Continue de s'amuser avec nous. C'est elle, la dame grise. C'est le premier fantôme qu'on a chassé. Oh, j'aimerais que Venkman soit là. Je suis sûr que lui n'aimerait pas. Du calme. Elle est très nerveuse. Bah c'est pas grave, hein. Bon sang, je l'ai perdu. Allons-y, on va la voir. Ses relevés sont... Je vous suis. Il va falloir établir de nouvelles normes. Waouh. Bon, écoutez, cet endroit est une cocotte psychique sous pression. Armez vos lanceurs, on reste groupés. Qu'est-ce que c'était ? Ok. Ouch. Ok, inutile de rester groupé. Nouveau plan, on se disperse. Une approche flexible, Ray. Il doit faire très mal. Il y a deux styles qui errent dans les environs. Deux qu'on connaît déjà. Je vais prendre le fusil à pompe quand même. Tu es à moi. Quoi? Oh non! Attention, ça vient dans ta direction. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont méga scriptés et qu'on peut pas y faire grand chose. Il m'aura pas comme ça, sans Kukai. C'est imminent. Accrochez-vous. Les gars, je suis dans les archives face à un tas de coupures de journaux. Elles concernent toutes un type nommé Edmund Hoover, alias le collectionneur. Continue. L'histoire de ce type va vous intéresser. C'était un collectionneur de livres rares qui a séduit Eleanor Tweety, la bibliothécaire responsable de cet endroit. La dame grise, je suppose. Bah non, c'est par là. Ou alors il y a quelque chose qui a bougé. Ah ! Non mais sans déconner quoi.
petit fumier, ouais. Une lampe en cuivre à reflets verts qui s'allume ou s'éteint elle-même. Ok. Oh, il a pas l'air gentil, lui. En tout cas, le pompe fonctionne. Ok. Wow. Aïe. Dame noire. Ça doit forcément être quelqu'un de l'équipe, soit du film, soit gars, du jeu. C'est mort en haut. Enfin, il n'y a rien, quoi. Tout le monde va bien ? On te le confirmera plus tard. Par contre, par ici... Hé, gamin ! Comment ça se passe ? Je suis dans un tunnel sombre et j'évolue rapidement vers une lumière brillante. Ouh ! Des grouilleurs de classe 1 ! Oh, ces pestes vous le bien ! Ah ! Il est où ? Ah, il m'a eu ! Ah ! Putain ! Ah oui, on fait moins les cakes là, hein ! Allez ! J'essaye de me débarrasser un petit peu d'eux. S'il te plaît. Passer cet animateur de classe 5. Je viens de te relever. Jusqu'ici. Voilà le gros poisson. Tu vois ce qu'il a fait ? Trouve-lui une chambre dans notre unité de confinement. Ouh. Lance ton piège, la recrue. Regardez, vous avez vu ça ? Plus que je m'y attendais. Ouch. Ray, Ray, Ray. On se relève. Englué. Ça pourrait tourner mal. Tout va bien. Au-dessus de toi. Je fais ce que je peux. Allez, voilà. Chacun le sien. Voilà, viens par ici, toi. Allez, voilà. Allez, le pâte à farouche. Allez. Ouais, c'était pas trop mal. Bisou, rentre. Viens à toi. Ça fait mal. Putain. Te relever, te relever, te relever, te relever. Allez. 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 Englué. Voilà. Toi, tu te relèves. Ouch. Allez, relève-moi. Dépêche-toi.
plan des yeux, gamin. Ça fait mal. Mon Dieu. À droite. Là, ça fait mal. Voilà. Et voilà. Ouh, beau travail. Eh ben putain. Ça n'a pas été facile. Félicitations, Ray. Mais je suis près des collections spéciales. Une vieille connaissance souhaite te parler. Quand même bien ravagé, quoi. On arrive. Ok, c'est par là. Je pense pas que ce soit dans le mur. Voilà, tout va bien. Gaffe à ceux qui remuent. Ils vont t'engluer si tu ne fais pas attention. Ça va ? On fait aller. Attention ! Descends-le ! Attention, le papier, ça coupe ! Sans déconner. Que je le scanne avant quand même, faut pas déconner. Conglomérat transformé de classe 6. Et voilà. À droite. Super, gamin. Ah, hey, doucement. Alors. Piège smash, ça pourrait être pas mal. Un fantôme écrasé sur un piège est capturé automatiquement. Laisse-nous une chance. Ça pourrait être sympa. Très impressionnant. Que tu vas aller bien. Retourne-toi. Moi j'aime bien le pont. Zut. Tiens bon. Ah, c'est toi qui en chie en fait. Hein. Renvoie-les d'où ils viennent. Est-ce qu'il y a une amélioration pour ça ? Immunité aux dégâts bosons. Alors, augmente la cadence de tir. Réduit le coût en chaleur du diffuseur de particules. Immobilise plus rapidement, ça on s'en fout. Ok, donc il me faut 12 000 $. Que la dame grise a appelé des renforts. Gardez les yeux ouverts, les gars. Elle ça va aller, t'inquiète pas. Merci pour l'avertissement, Ray. Mais je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Tu veux peut-être nous faire confiance. La voilà. Silence. Faisons un scan. Je n'ai pas compris, fait. Ray. Répète. Ça suffit. Au moins, on se rapproche. Je n'ai rien entendu, Ray. Ray. Ça va, Ray? J'ai pas l'air en grande forme. Toi qui me suis? Ah merde. Eh ben allons-y. Englué.
tu es senti passer, hein. Aïe. Attention. Oh, bon sang. Il court en gros. Mais comment il te défonce? Bon, ça m'arrange, hein. Attention. J'aime bien avoir un compagnon qui se prend les dégâts à ma place. Ça m'appelle Skyrim. C'est bon? On a les 12 000. Réduction de la chaleur. Confirmé. Si je veux tirer plus vite. Ça donne froid dans le dos. Oh, bien, c'est génial. Bon travail. Allons, gamin. Il faut sortir d'ici. Allons-y. Je te couvre. Winston, où es-tu, bon sang? Je regarde les journaux. Je vérifie les résultats des Nix hier. Pourquoi? Parle-nous de ce collectionneur, Winston. C'est écrit que le collectionneur a utilisé la Dame Grise pour mettre la main sur ses livres rares. Et notamment sur un livre appelé, tenez-vous bien, le Codex Gozerien. Super! Ouais, et quand elle a appris ce qu'il comptait faire, elle a rompu. Elle était intelligente. Pas vraiment. Il l'a tuée pour ça. Oh oh. La Dame Grise a été sa première victime. Mais il a tué un tas d'autres gens. Et laisse-moi deviner, il collectionnait leurs corps comme il collectionnait les livres. Bingo ! Ray, tu viens de gagner le droit de me payer un dîner. Une dernière chose à propos du collectionneur. Quelques secondes avant qu'il ne soit pendu, il a dit qu'il reviendrait sous la forme d'Azetlor, une sorte de dieu, pour garder un œil sur la bibliothèque et les livres de sa collection. Le genre rat bibliothèque. Plutôt le genre qu'on rencontre à chaque fois. Ok, ok. Fais un scan, s'il te plaît. On aurait dit un bruit de gamin, quand même. Ben quoi? Faut toujours penser à s'hydrater. Je ne dis pas que c'est un mauvais présage, mais je ne crois pas que ça en soit un bon non plus. Mon Dieu! Ça ne fera pas mal longtemps. Ah bah t'as enfin une arme qui fonctionne bien. C'est mort, il fait trop noir. T'entends ça? C'est quelque part par ici. Ouais, il y a quelqu'un ici. Commande déclenchée. Alors, il est où? Bon, on va faire un petit tour par là. Ce sont des enfants. Qu'est-ce qu'ils disent? Je crois qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Ouais, j'aime pas ça. Exit. J'entends maman. Bien vu, mon gars. Ah bah attends, quand il s'agit de se barrer, je suis le premier, quoi. C'est le département des collections spéciales.
plein de volumes rares et précieux. Ok, donc rares et précieux. Elle est à l'intérieur avec Egon. Silence. C'est bon, ouais. Si je veux. Il lance tout le rayon science-fiction après une... Impossible de percer les boucliers! Leurs boucliers utilisent les flux de capture sur leurs boucliers. Mais c'est bon, pas besoin. Faut attraper les... Tu te souviens quand tu disais que les livres n'avaient pas d'avenir? Si seulement. Où est-elle passée? J'ai envie de faire le tour. Les valences sont élevées. Elle a laissé une trace quelque part. Par là. J'ai un signal juste ici. Ouh. Explorer les sous-sols de la bibliothèque. Que c'est bien connu, un sous-sol de bibliothèque, c'est derrière un passage secret. Le concierge non plus, on dirait. Au moins ces 80 dernières années. C'est quoi ça? Tobin n'en parle pas. Non, ils sont dans la nouvelle édition du catalogue éthéré. Ok. La Dame Grise les construit à partir des livres et des esprits inférieurs qu'elle trouve ici. Elle est plus puissante qu'on ne le croit. Mais du coup, elle nous veut du mal ou pas? Je comprends pas très bien, là. Regarde-moi ça! Il faudrait un mois pour faire l'inventaire de ces livres. Soyons très prudents sur ce que nous souhaitons ici, Ray. On devrait dire à Winston de nous rejoindre. On aura sûrement besoin de son aide. J'essaie de la voir. Il y a trop d'interférences. Wow, un curieux texte ancien. Ok. Ray, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure solution. Il était écrit piège. Hé, hey, je parie que c'est un piège. On déconne. Ça fait plaisir de te revoir, Ray. Contact multiple. Ouch. Hé, hey, ils ne sont pas seuls. Restons en mouvement. Ah! Allez, on me relève. Il bouge encore! À gauche! La deuxième fois! Allez, on les défonce. Hey, fais gaffe. Ouais, bah t'es capable de me mettre dans ta ligne de, dans ma ligne de mire, non mais oh. Structurel du second sous-sol. On se bouge. Je dis que cette structure est instable. Le plafond peut nous tomber sur la tête. Notre expérience de sonde cérébrale fonctionne. C'est génial. Non. J'ai vu les piliers de soutien se tordre. Ouch. Egon. Oh, shit. Non, c'est bon. Allez, relève-toi. Au-dessus de toi. Je me prends un piège. Derrière toi. Allez, relevez-moi. Et on piège cette saloperie. Oh, c'est bon, hein, ça arrive. Scan ce qu'il y a ici. Là-bas.
Nous repensons. Mais pourquoi je peux la rescanner à chaque fois ? Horrible. Même bizarre. Une grosse lampe. Ok. Ces piliers sont solides. Excellent endroit pour une capture. Excellent. Eh ouais, qu'est-ce que tu crois, toi ? J'ai écouté le tuto, hein. Demande ce qu'il y a ici. Quelque chose de gros et de fâché, sûrement. Là, c'était bien enfermé. Pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir tout couvert comme ça. C'est vraiment noir ici. Et humide aussi. Merveilleux. J'espère que tu n'as pas de plaie ouverte. Je pense aux bactéries dévoreuses de chair. Il y a une serrure électrique sur la porte. Essaie de trouver l'alimentation. Ça doit être ce truc qui fait des étincelles. Je suis pas sûr que rester dans l'eau soit une bonne idée. Super ! Le bisou a trouvé. Je me demande si c'est une bonne idée de se tenir dans 45 cm d'eau. Ça n'a pas duré. Ok. Mais merde. Eh ouais, mon gars. Qu'est-ce que tu crois, toi ? Si tu pouvais éviter de me mettre des flèches bouton dans le fion, toi ? Et voilà ! Des attracteurs bidimensionnels de niveau 6. Je te suis. Heureusement qu'il n'avait que de vieux bouquins pour se manifester. La recrue, ça va ? Bah ouais, j'ai tout fait. J'ai fait tout le boulot, mais ça va, quoi. Heureusement que vous m'avez recruté, quand même. Voilà qui fait plaisir. Bel endroit. Il ne peut rien arriver de mal, ici. La voilà ! Prends-la par le flanc ! Elle ne pourra pas fuir ! Sauf par l'âtre. J'ai pas tout à fait compris comment marche la prise de flanc. Oh super, du charbon incandescent. Et deux cette fois. Oui super, Ray. Redis-moi à quel point nous sommes chanceux. Allez, amène-toi, chérie. Coucher. Il faut qu'on s'occupe de la dame grise avant que ça ne devienne vraiment dangereux. C'est peut-être déjà trop tard, Ray. Bah, on ne peut pas la suivre par là. Il y a une autre voie. Faudra bien, de toute façon. Franchement, ce mur, il fait vraiment... qui se déplace, quoi. Le truc qui s'explose. Qu'est-ce que t'as trouvé, le bleu ? Eh, hey, bon travail, Spengler. Le gamin a trouvé la sortie. Un peu dégueulasse, quand même. J'ai ajouté quelque chose à l'équipement. Ah. Voici le SDP, le système de distribution de plasma. En fait, c'est la lance de Slime, version améliorée. Ton réservoir de plasma est maintenant intégré au pack à protons. Il fonctionne à partir d'une culture d'ectoplasme capable d'infliger des dégâts, d'immobiliser le slime noir et de faire apparaître d'autres entités invisibles à l'œil nu.
Ok. Pour utiliser les lances de slime, pointe et tire. Ça permet de neutraliser les tâches actives de slime noir. Ça ferme les portails que le slime noir ouvre également. Ok. Voilà, du slime neutralisé. D'accord. Quand même récupérer le pompe. Petit raccourci pour l'enfer, c'est très pratique. A tué la bibliothécaire. Ça semble logique. Le livre qu'elle lit émet une énergie très importante. À toi de jouer, champion. Va les chercher.